aujourd'hui, je transforme la pièce secrète de Willy Bed en confiserie complètement épique. C'est parti! Comme vous savez, on a créé une pièce secrète à Mariana. Et Willy Bed s'est créé une pièce secrète juste à côté. Et il a même passé 7 jours à l'intérieur sans qu'on le sache. Ensuite, c'est Eman et les enfants qui s'y sont cachés et m'ont lancé le défi de les trouver. Alors que j'étais sur le point de trouver la pièce secrète, ils se sont enfuis. Alors, pour me venger, je vais détruire sa pièce secrète et la transformer en confiserie complètement épique sans qu'il le sache. Lori, la copine de Willy Bed, sera ma complice. Je vais lui indiquer où Eman et les enfants se trouvent grâce à un GPS que j'ai collé sur la voiture et elle va faire en sorte qu'ils ne reviennent pas de sitôt. Oh my God, c'est dégoûtant. Regardez, il y a des papiers partout. Je suis sûre que Eman et les enfants et Willy Bed ont mangé tellement plein de bonbons. Regardez ça. Il y a des graines partout. Des vieilles canettes de boissons gazeuses partout. Maman va devoir venir faire le ménage ici. Alors c'est parti, on débarrasse tout et on transforme cette pièce beaucoup plus épique. Vous me direz en commentaire si vous préférez la pièce de Willy Bed ou la pièce que je vais avoir créée. Ok, alors ça a passé proche. Maman a passé tout près de nous attraper. Mais là, on s'est enfui en voiture. Ce n'est pas vrai que je vais acheter des bottes Chanel à 2000 balles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. On va se promener en voiture. On va juste attendre que le temps passe et que je puisse avoir accès aux caméras. Et là, quand on aura accès, on pourra retourner à la maison en douce et retourner dans la pièce secrète. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On va chez McDo? McDo! McDo! Oui, McDo! Ok, oui, je les vois. Ils sont au McDo. Ils font une commande à l'auto. Et William. Salut. Alors pendant que la pauvre Priscilla se demande où on est, nous, on profite d'un bon McDo. C'est délicieux. Oh, c'est dégoûtant. Il y a des graines de bonbons, de chips. Oh là 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 là. Oh, ma pièce secrète va être tellement plus lourde. Et là, le défi, c'est de tout faire passer par cette petite porte qui est microscopique. Regardez la grandeur. Donc là, tu dois replier le matelas pour que tout passe dans le trou. Il y a tellement plein de graines, j'en viens pas les gars. Mariana, qu'est-ce que vous avez fait? Et voilà, bye bye le lit de Willy Bed. Ezekiel a déjà une PS5, donc on l'a détruit! Mais non, pas vrai. Les enfants! Il faut encore tuer un peu de temps, il faut passer du temps encore sans être à la maison parce que ça vous tente d'aller jouer aux quilles! Oui! C'est sûr que je vais. On va faire une petite partie de quilles et on revient à la maison. Je viens d'arriver à la boutique de confiserie et ici, c'est le rêve. Et on remplit le panier. Les grenouilles, tout le monde aime ça. Mariana va halluciner. Des sucettes, trop cool. C'est énorme! Donc, c'est un supermarché en vrac que nous avons dans notre région et tout est juste trop énorme. Les paquets sont énormes. On va avoir de la graille pour des mois. Je prends aussi des ramen. Mon caddie commence à être assez rempli. Mariana va halluciner. Ça va être parfait quand on va recevoir des amis à la maison. Les pêches, c'est la base. Ah oui, un énorme pot de maïs soufflé au caramel. Allez hop, dans le caddie. Ça, je sais que Willy Bed et Lori adorent. Regardez comme c'est cool. J'ai jamais acheté autant de bonbons. Inquiétez-vous pas, il y aura pas de gaspillage et ça sera pas juste mes enfants qui vont manger ça. Ça, c'est le snack américain que vous devez goûter un jour dans votre vie. C'est juste tellement bon. J'ai deux caddies complètement pleins. C'est incroyable. On s'en va à la maison et on va installer tout ça. Les amis, c'est parti. Là, c'est encore moi. Je les vois, là. Ils sont dans le stationnement d'une salle de quilles. Fait que je pense qu'ils s'en vont jouer aux quilles. J'avais besoin pour faire la pièce tellement épique. Maintenant, je m'en vais m'habiller confortable parce que j'ai tellement de travail à faire et j'ai plein d'étagères à monter. C'est parti, c'est parti, c'est parti! On lâche pas! Oh, c'est tellement lourd! Je dois vraiment me dépêcher. Et en plus, je vais appeler Lori bientôt pour savoir si elle est capable de ralentir les mannes et de me dire exactement où ils sont. Voyons voir le plan. Oh! J'ai presque terminé d'installer toutes les étagères et là, je vais retirer les affiches Minecraft. Voilà où j'en suis présentement. J'ai fini d'installer toutes les lumières, les étagères. Maintenant, j'ai plein de déco à placer et j'ai la pièce de résistance qui va arriver juste ici. Je vous montre à l'instant. 3, 2, 1, tadam!
Welcome! Bienvenue au Candy Shop Ventura. J'ai tellement plein de ballons à gonfler. Oh là 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 là, regardez, je sais pas j'en ai combien. Vas-y William, impressionne-nous! Wow! Le mec est trop chaud! Il est trop chaud! Je pensais que t'étais juste youtubeur, hein? Je suis aussi couleur. Quoi? Une à la fois! Je suis aussi couleur. Oh! Wow! Wow! Oh! Je viens de terminer de monter toutes les machines, machine à popcorn, machine à barbe à papa et machine à boule de gomme qui est déjà dans la pièce. Et là, je vais appeler Laurie parce que je veux d'être certaine que les gars sont pas sur le point d'arriver étant donné que je dois placer tout ces snacks. Donc, j'appelle Laurie à l'instant. Oui, et puis là? Laurie, est-ce que les gars sont sur le point de partir? Il faut vraiment pas qu'ils partent tout de suite, là. Je suis vraiment pas prête à recevoir personne. C'est vraiment pas prêt encore. Écoute, Laurie, j'ai une idée pour toi, OK? Tu vas ouvrir le capot de la voiture et tu vas aller débrancher la batterie de l'auto. Je sais, je suis folle. T'es certaine que tu veux que je fasse ça? T'es pas un peu intense? Ça va vraiment les retarder. Ils vont penser qu'ils ont fait une panne. OK. C'est bon, redonne-moi des nouvelles. À tout de suite, bye-bye. Je sais pas du tout c'est où la batterie dans une voiture. Je pense que c'est ça. J'imagine que si je tire ce fil-là, ça va arrêter de marcher. Je l'ai fait. Je l'ai débranché. Alors juste pour vous dire, je me suis inspirée beaucoup de Lou Fit Sandra sur YouTube et je suis très contente du résultat. J'ai peur de manquer de temps, les amis. Regardez la machine à barbe à papa, comment elle est trop cute, elle est trop kawaii. Oh my god, Mariana va l'adorer. Venez voir, je mets même des petits sacs juste ici pour pouvoir se remplir des sacs de bonbons et snacks. Donc là, on remplit la machine à boule de gomme. C'est tellement beau! Ça rentre juste. Écrivez en commentaire qui va gagner selon vous. Je veux savoir c'est quoi vos prédictions. C'est moi! Non, je vous laisse deviner en regardant rapidement au tableau. Ah, qui a gagné? Qui a gagné? Ah! J'ai gagné dans mon cœur. Alors les enfants, vous avez aimé votre partie de quilles? Oui, moi j'ai dépassé Willibert. Moi je n'ai pas du tout aimé ma partie de quilles parce que j'ai perdu. Will n'aime pas perdre. Non, c'est une blague, c'est vraiment cool! Allez les enfants, on embarque dans la voiture. Eh, pour vrai, il fait chaud. Pour la voiture. Je sais pas là, aucune... J'ai quand même pas de batterie. J'avais de l'essence. Non, j'ai de l'essence, c'est sûr que j'ai en masse d'essence. Habituellement, je pèse sur le frein et je pèse sur le bouton ici. Ok, ça marche. Tu trouves pas le problème? Je connais pas ça, je connais vraiment pas ça. Je vais appeler le remorqueur. Je sais pas, on va être encore combien de temps ici? Ouais, bonjour, moi dans le fond, j'ai un camion GMC qui part pas là, dans le stationnement du salon de quilles. Oh mon dieu, la remorque vient d'arriver. Oh non! Je sais pas quand est-ce qu'on va revenir à la maison, mais une chose est sûre, Priscilla ne nous trouvera pas. Je sais même pas comment cette journée va se terminer. Ils doivent tellement pas être contents de devoir faire remorquer leur voiture. Oh my god. Alors on se revoit au garage. Bon, alors on sort du garage à l'instant même et le camion est réparé. Il semblerait que c'était un fil qui était mal connecté. Et là, ils m'ont dit que c'est comme si quelqu'un aurait fait par exprès. Je comprends vraiment pas, c'est vraiment étrange. C'est comme si quelqu'un qui aurait fait par exprès pour briser le camion. Bonne nouvelle, le camion fonctionne, donc on peut repartir à la maison. Alors là, je viens de vérifier, j'ai accès aux caméras. Alors là, je ne vois pas où est Priscilla dans la maison, mais avec les caméras, on va être capable de rentrer en douce dans la maison sans qu'elle nous voie. Oh my god, ok, parfait, je te laisse. On se reparle, bye, merci. Oh my god, Laurie vient de m'appeler et ils ont réussi à faire fonctionner le véhicule, donc sont en route. Je vais aller me cacher juste là. Ok, on vient d'arriver à la maison, on est devant la maison, comme vous pouvez voir. J'ai regardé sur les caméras, on ne trouve pas Priscilla, on sait pas où elle est. On dirait qu'elle est pas à la maison, je réussis pas à voir, donc on va rentrer en douce et on va aller se cacher dans la pièce secrète. Oh, on les entend! Ils arrivent! Oh, est-ce qu'ils vont nous découvrir? J'ai fait du popcorn pour qu'ils sentent l'odeur du popcorn et qu'ils soient attirés vers la pièce secrète. Est-ce que tu les entends? Oh, on les entend. Oh. J'ai hâte de voir la réaction de Willibed quand il va voir que j'ai changé sa pièce secrète. Un magasin de bonbons! Je sais pas où, par contre, vous savez, je me suis mangée pour la pièce secrète que Willibed a
la pièce secrète, Will! C'est quoi? Attends, il s'est passé quoi? C'est un magasin de bonbons! Pardon? Oh my god! Attends, mais elle m'a payé ça avec ma télévision! C'est what? Bye bye! C'est maintenant! Attends, mais c'est... Oh my god! J'ai tout le... Hey! Ok, non, mais en vrai, c'est vraiment stylé. Pour vrai, wow! Désolé, mais je vais devoir me venger, par contre. Vous pouvez vous servir, j'ai des petits sacs. Ah, c'est sûr, je me sers! Si t'as aimé cette vidéo, clique sur celle-ci. Et nous, on se revoit bientôt, tout le monde! Et moi, je vais devoir me venger, et j'ai déjà une idée! Oh!